tout le monde, c'est Azeric Perassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 18 de notre aventure 100% sur Super Mario RPG HD. J'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part les amis, je vais très bien. Souvenez-vous de l'épisode précédent, on avait tout simplement rencontré, revu Booster qui a kidnappé la princesse Peach pour l'épouser. Comme quoi, le scénario d'Odyssée, c'est une dinguerie. Et du coup, nous sommes à la salle, il est allé à la salle des fêtes, comme dans un vrai mariage. Et on est du coup dans la cité des noces, voilà. Donc on va d'abord s'équiper, on va essayer de se préparer certainement le combat. Super beauté, n'est-ce pas? Ça fleure le luxe de partout. Bonjour, comment puis-je vous aider? J'aimerais vendre, parce qu'en fait, le problème, c'est que j'ai trop de choses. J'ai clairement trop de choses en fait. Bon, on va acheter. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter à votre avis? On peut acheter le gant accordéon, plus 10 attaques. Et la peluche à 6 coups. Donc on va acheter. Non. Peluche à 6 coups, c'est Géno. Non. Ok, moins. On va s'équiper après. Hein. Carapace radieuse. Alors ça c'est pour, ok, ça oui. Non, pas tout de suite. Et l'anneau d'affection. Regorge de pouvoir d'amour. On va l'acheter quand même, on sait jamais. Ok, et du coup, on va voir un petit peu ce qu'on peut s'équiper. Alors, on n'a rien avec Mario, normalement. On n'a rien avec Mario. Donc voilà, et du coup, ouais. Je confirme, on n'a vraiment rien avec Mario. Ensuite, avec Malo, on a la petite gant d'accordéon. Voilà, ça fait pas de mal. Là, nous avons rien de spécial. Ensuite, nous avons avec Géno. La peluche à 6 coups. Après, caleçon, nous n'avons rien. Badge, nous avons rien de plus. Bowser, nous avons pas d'équipement. Mais là, nous avons du coup la carapace radieuse. Voilà, plus 10 de défense et plus 3 de défense magique. Et du coup, voilà. Et la note d'alerte, malheureusement. Mais ouais. Hop, non. Non, c'est bon. Charlap. Reviens quand tu veux. N'hésite pas à venir nous voir si vous avez besoin de quelque chose. Ok. Oh mon petit cœur en sucre, tu veux bien qu'on comprenne la suite? Dis, allez s'il te plaît. Cet hôtel est réputé pour la qualité et son service, et surtout pour sa suite, mais la qualité n'est pas donnée. D'accord. Ok, donc là, il y a le genre d'hôtel. N'hésite pas si vous avez besoin de quelque chose. C'est fermé à clé, d'accord. Et là? Ah là, on va pouvoir y aller. Ah, un trésor caché à proximité. Ah, à mon avis, on peut pas aller là-haut. Voilà, je m'en doutais. Oh, il y a un petit toad. Je suis crevé, il paraît qu'il y a un casino dans le coin. On peut gagner des super prix. J'ai cherché partout, mais j'ai trouvé nulle part. Zzz. Ce serait pas là où il y a la porte fermée par hasard? Ce serait pas un endroit ultra secret? Ok, déjà, on va pouvoir sauvegarder. Bon, bah, let's go, hein. Alors, du coup, là, il n'y a rien. Possible, si, il y a peut-être quelque chose ici, hein. Oh. Bon. Il y aura un truc à faire avec ça. Pourquoi ça bouge? C'est un élément de gameplay bizarre. Pourquoi avoir ajouté cette animation? Je suis photographe, si tu cherches quelqu'un pour te tirer le portrait, tu sais où me trouver. À propos, j'ai vu des types habillés comme des chefs cuisiniers entrer dans la salle des fêtes. Pas la porte arrière, tout à l'heure. Ok. La porte arrière. Donc là, il y a le château qu'on a vu. Et ça fait très Dragon Quest, par contre, ce château. Le mariage de Tom et Moll. Ah, elle est commencée quand ce type bizarre nous a mis dehors. Oh, au secours! Au secours! La cérémonie de mariage de Booster va commencer. Je bloque cette porte, surtout que personne essaie de me déconcentrer. Et moi qui pensais qu'on allait enfin pouvoir se marier. Tout est à refaire maintenant. Dire qu'on rêvait depuis si longtemps de se marier ici et profiter de la suite de l'hôtel. Ouh là là, ouh! Visiblement, il a pris d'un besoin pressant. C'est qui cette farce de broussailles mal taillée? Si j'ai pas rêvé, il tirait la princesse Peach derrière lui. Hein. Non, il a tout de même pas l'intention de se marier avec la princesse. Il tirait, c'est un peu bizarre quand même. Il y a un type bizarre qui arrivait en criant du balai, j'ai un mariage à boucler. Il se prend pour qui? Alors ça c'est un comble, les mariés parfaits empêchés de se marier, quel scandale! Lui là c'est
lui qui nous a jetés dehors. Je suis venu de loin pour célébrer l'union de ces jeunes gens. Et voilà comment ils sont reçus. Ah, mais non. Ah, mais attendez. Il y a la suite. Ah, merde, il y avait la suite, là. Colline de Booster. Oui. Allez, on y va. On a dit rien, là. Y a rien. Par la porte arrière, y a une porte, là, quelque part par là. Y a quoi, ici? Y a rien, ici, hein. Y'a rien. Bon ben, let's go. Personne ne rentre, et inutile d'essayer la porte derrière, elle est fermée à double tour, enfin je crois. Mais quelle porte derrière? D'accord. Il y avait vraiment une porte derrière. Le gâteau. Bah ben, on va pouvoir les emprunter. On est en train de préparer un énorme gâteau pour le mariage, ça va être un chef-d'œuvre. La future Mario nous a demandé de préparer quelque chose de spécial. Crois-moi, il ne va pas être déçu. Putain, vas-y, ça donne faim son gâteau. Qu'est-ce que tu fais? Tu marches sur le gâteau. Ça va pas à la tête. Putain, vas-y, ça donne faim, j'ai faim. Après le prochain épisode, je vais aller manger, hein, je vous le dis. Halt, qui va là? Tu ressembles à Mario, mais Mario est dehors et je bloque, si bien la porte que même une tortue géante ne pourrait pas l'ouvrir. Donc tu peux pas être Mario. Ce qui est FD. T'as qu'à le dire pour ta défense. Enfin, qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Tu lui ressembles quand même beaucoup. Je ferais mieux de prévenir Booster. Zut, ça ne s'ouvre pas. Allez, j'ai besoin d'un coup de main pour enfoncer cette porte. Viens m'aider. Si on y va ensemble, elle devrait céder. Ok. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Mais je peux pas te laisser passer, désolé. Je comprends pas. Ok. Eh, d'accord. Et là on a ouvert la porte. Ok. Attendez. Ça marche pas. Attendez. Tac. Mais oh, ça marche pas. Ok, là il me fait ça. Je vois pas ce qu'il faut faire en fait. C'est une blague. Mais je comprends pas. Faut passer peut-être par la cheminée, non? Il n'y avait pas d'autre entrée. Ah! Il y a qu'on rêvait depuis longtemps, mais non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'aider, soi-disant, mais comment tu l'aides? Oh bah attendez, merci. Je peux pas te laisser entrer, désolé. Mais pour. Je comprends pas! Comment on fait pour y aller? C'est pas possible, il y a un problème. Ah, oh, mais je voulais pas faire ça! Qu'est-ce que tu fais? Tu marches sur le gâteau? Ça va pas la tête, oui, tu me l'as déjà dit. C'est pas ici, je comprends pas comment on fait pour y aller. Ah putain, je me suis maravé la main. Comment on fait? Attendez, mais c'est pas possible, il y a une autre porte dans une tour ou dans un autre truc ou quoi. Hein. Mais je comprends pas. On peut pas l'affronter en plus. Ça marche pas. Hein. Mais pourquoi ça fait ça? Un. Deux. Si on attend trois. Attendez. Ça marche pas, mais ça marche pas, je comprends pas. On fait comment? Il faut attaquer avec Bowser, non? Bowser, il peut pas utiliser ses points. C'est un truc. Technique. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Il est où notre livre d'histoire là? Bestiaire, album de voyage, putain, on a rien lu tout ça. La princesse d'un péché, mais comment je fais? J'ai pas la clé. On va voir s'il y a rien là-haut, hein. Est-ce que ça s'est débloqué là? C'est fermé à clé. Ben, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de rentrer. Il y a bien moyen de... J'ai quoi dans mes objets? Biscuits, étoiles, eaux pures, eaux spéciaux. Objet supérieur qui brille. Carte alto. Je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Mais vraiment, je vois pas du tout ce qu'il faut faire. Pas un passage secret. Faudrait réussir à foncer la porte, mais ça marche pas. Il faudrait peut-être pas partir d'ici. Si on peut partir d'ici et tout, qu'on peut revenir, ce n'est pas pour rien. Concrètement, c'est pas que pour tour de booster. Est-ce qu'il y a un tour de booster? C'est intéressant d'y aller. Ah, déjà, il y avait un truc au col de booster. Ça viendrait pas de la... Il y avait pas un truc là qu'on avait enclenché dans l'épisode précédent? Oh non, on est censé. C'était là, ça. Alors, c'était pas là. C'est la première fois qu'on voit ça. Donc c'est peut-être ça qui a changé. Super. Ouais. Ah, il y a quand même toujours eux. C'est peut-être là qu'il faut aller. Ouais. Je sais pas pourquoi je les enfonce tous. Ça sert à rien, mais bon. Je me dis par un mec. Par un malentendu. Non. Ok. Peut-être on va avoir un bélier ou je sais pas quoi. Eh, mais je rêve pas, tu es les célèbres Mario! T'es trop bien, si j'arrive à te battre, je pourrais devenir Sniffer 4, enfin peut-être. Non, bon, ne rêve pas. Ok, bon, bah ouais, ne rêve pas. Bouh, il me reste plus qu'à reprendre mon entraînement depuis le début. Il y en a 50 000 à fonder. Oh! Musk Waste. Croc-Cola. Ok. Du coup, ça veut dire qu'il s'est re-téléporté là-bas? Ou est-ce qu'il faut partir ailleurs? Ou est-ce qu'il n'y a qu'un seul endroit que ça a changé? Je sais pas. On est là, on va quand même essayer de visiter les, tous les autres endroits. Trois pièces. Oui, d'accord, c'est ce que tu as mis. Ok, ah oui, ça c'est pour les côtés mentalistes. Donc là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, en fait. Il n'y a que dalle. Pourquoi il faudrait retourner, à votre avis, dans la tour de booster? Alors, on peut voir que le drapeau est là. C'est-à-dire que c'est vraiment ici qu'il faut faire quelque chose, quoi. Mais, comment? On va essayer de... On va essayer de... Voilà. Attendez, si on se met pile à l'endroit... Non, ça marche pas. Ah, j'ai peut-être une théorie, mais je pense pas qu'elle va marcher. Mais ça, rien a changé. Je comprends pas. Attendez. Ah, il fallait faire frame perfect en fait. Ouais, mais bon, tu peux pas savoir ça. Je peux pas savoir.
faut faire preuve d'un personnage. Monsieur Booster, Mario est là. Bande de brutes, quand on veut entrer, on frappe par la porte, on la défonce pas. Fermez-moi ça et vite, et hop, 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 on se magne. Mario, c'est toi, je suis là. Sors-moi vite d'ici, je t'en prie. Enfin, Mario, c'est plutôt Peach qui parlait, mais... Ah, mais je savais pas, moi. Oh là là, quel... Ah, mais c'est du frame perfect, vraiment, vous voyez que c'est... Moussachi a pas l'air bien méchant. En revanche, la tortue semble un peu nerveuse. Ils savent pas qui ils ont affaire. Je suis un orage en bouteille. Un séisme en boîte, je vais démolir cette porte et vite fait. Ok, je ne comprends ce qu'il faut faire, j'imagine, du coup. Tac, tac. Voilà. Quand tu comprends la solution. La bague de fiançailles. Ah, la bague de mariée, pardon. Mais aïe, ça va pas la tête. Génial. Ah, elle est magnifique, Peach. Elle est trop belle. J'ai tout perdu. Mes chaussures, ma bague, ma broche et ma couronne. Monsieur Booster. Mais Monsieur Booster. Pas maintenant. La mariée s'impatiente. Inutile d'attendre plus longtemps que le mariage commence. Qu'est-ce que c'est cette eau qui fuit de tes yeux? Voyons si tu vas te dessécher, ma chère. Tiens, c'est salé. Monsieur Booster, je crois qu'elle est mariée et est en train de pleurer. De pleurer? Mais qu'est-ce que font les gens tristes, non? Et en plus, c'est salé, poire. On dirait de l'eau de mer, c'est sûrement corrosif. Et d'abord, pourquoi elle pleure? Je crois parce qu'elle a perdu certains éléments de sa tenue. Ah, je vois, ses larmes salées risquent de gâcher le gâteau. Et si Mario arrive à entrer, ça sera encore pire. Motherfucker. Mario est déjà là. Monsieur Booster, on va essayer de retrouver ses affaires, comme ça on pourra continuer la cérémonie. Le gâteau ne devrait pas tarder à arriver. Ça me plaît. Allez, vite chercher tout ça, moi, je me mets en position. C'est bizarre de dire ça quand même. Vous devez vous mettre à droite, monsieur Booster. Et la mariée doit être à votre gauche. Ah bon? Comme ça? Monsieur Booster, j'ai trouvé la bague. J'ai la broche, monsieur Booster. Moi, j'ai retrouvé ses chaussures, monsieur Booster. Attendez un peu, il manquerait pas autre chose. Zut, la couronne. Faudra me passer dessus. Aïe, 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 les préparatifs du mariage avancent à grands pas. Récupérez les accessoires avant que toutes les bougies ne soient allumées et sauvez la princesse. Si vous êtes assez rapide, vous pourriez avoir une bonne surprise. Je récupère les chaussures. Je récupère la broche. Je récupère la bague. Hello, la couronne. Quelque chose, attends un peu. Tu en as... Il en manque encore un. Hello, l'autre accessoire. Je ne vois même pas l'autre accessoire. Je ne vois même pas l'autre accessoire à la con. Ah bah super, ils ont tous allumé. Ils ont tout allumé. Oh, mais je sais pas où il est, les autres accessoires. Il en manque un, mais... Mais, normalement, je pense que les trucs étaient là. Pourquoi ils seraient pas là? Ah bah du coup, on a perdu le truc, hein. Ça marche pas, y'a rien. Et passer à la couronne, ben on est en train de la chercher justement. Je sais pas où elle est ta couronne, moi, putain. Ah, on a perdu le jeu, quoi. Oh, ok, j'ai trouvé. Attendez, les amis, normalement on a sauvegardé tout à l'heure. Vous savez quoi? On va avoir le petit bonus. On va essayer d'avoir le petit bonus, d'accord? On sait où aller la couronne. Donc en fait, faut choper les trois. Bon, on va re-taper là, malheureusement la cinématique. On va la skipper, hein, je vous le dis. On va passer rapidement vu qu'on a sauvegardé. On va essayer de tout faire avant que les trucs à, voilà, que les trucs arrivent. Comme ça, on va s'attaquer du coup au boss aujourd'hui. J'aimerais bien m'attaquer au boss aujourd'hui. Allez. Ah donc là, voilà, je dis on skip, hein, on a déjà lu tout ça. Je pensais pas qu'il était au-dessus. Oh fuck you. 1, 2, merci. Allez go, on y va. Donc là, on sait où sont les trucs, donc là, on va faire un gros speedrun, je vous le dis. Allez, allez, allez. Donc là, elle va pleurer,
voilà, je te perds, mais je sens ma bague, ma brochée et ma couronne. Bah, du coup, voilà, on s'arrête. Et une fois qu'on aura affronté le boss, on s'arrêtera là. Hein. Parce qu'à mon avis, on va devoir affronter le boss. Allez, allez, allez. Ouais, bon, c'est un peu de la triche normalement, mais bon. Salut, Xivi sur Game Boy Advance, Nintendo Switch Online. Bon jeu à toi. Voilà. Allez, 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 allez. Putain, mais les cinématiques durent trop long. C'est pour nous éviter de recommencer, ça, c'est sûr. Trouver la vague. Allez, du coup, on sait où sont les trucs. Je pensais pas que la fête de la couronne était sur le truc. Honnêtement, je pensais que c'était un je pensais que c'était un cosplay du machin, en fait. Allez. Voilà. Okay. Et vous aurez aussi, vous pourrez aussi avoir une surprise. Ok, allez vite. Ok. On va speedrunner. Et là, oh, tout y est. Et mais attends, regarde de plus près, je te reconnais, toi, tu es Mario. Qu'est-ce que tu veux, ruiner mon mariage, j'imagine. Ah, Mario, te voilà enfin. Hi, qu'est-ce que Bowser fait ici? Pff, quelle perte de temps, j'ai d'autres chats à fouetter, moi. Bon, peu importe, je sais que je suis dans une d'autres de bonnes mains avec Mario. Laisse-moi te faire un bisou. Oh, bisou, bisou. Ah, bravo. Alors lui, il a droit à un bisou. Et moi, qui t'ai sauvé, rien, nada, que dalle. Et moi aussi, je veux un bisou. Oh là là. Arrêtez à la fin, ça devient n'importe quoi. Propre nom. Ok. Bon, bah, on sait que ça a pécho. Oh, oh, peine sur la joue. Oh, dommage. C'est bizarre, ça pique un peu. What? Il a embrassé Bowser? Hein? Il a embrassé Bowser. Voilà une belle photo souvenir. Viens Mario, retourne, rentre au château Chapignon, le sorcier nous attend. Désolé de t'avoir fait attendre. Nous avons confectionné une petite merveille que vous nous direz des nouvelles. Et le gâteau est là, mais où sont les mariés? Où est passé tout le monde? Zut, zut et zut! Où est la mariée? Tu as enlevé la mariée? Mais si vous partiez, qui va manger le gâteau? On a passé des heures à le préparer. T'en vas pas la tête? Ok, bon. Combat. Renon. Et Renon? Bon, et Renon. Comment ça? Le gâteau il bouge, hein. Ok, il y a quelque chose dans le gâteau. Oh! Ok, il faut juste éliminer les... le gâteau. C'est le gâteau qu'il faut éliminer. Renon. Non, non, et non. Waouh! Papapoc. What? Eh hey, mais aïe, mais qu'est-ce que tu me veux? Chef, le gâteau il bouge. Mais non, il ne bouge pas, retourne dans ton poste. Moi j'ai, mais je l'ai vu bouger. Pac pac pac. Mais aïe, aïe, à la fin, qu'est-ce que tu veux encore? Mais chef, le gâteau il a bougé. Arrête avec tes histoires. Chez mes chefs, pourquoi je vous rencontrerai des histoires? Ah, ça je te le demande. Alors, tu vois bien qu'il ne bouge pas. Hein? Le gâteau il a bougé, vite sauf qu'il peut. Vous voyez que c'était pas des histoires. Y a un boss là-dedans, ça pue du cul. On va devoir affronter un boss. Ah. Attaquer avec un pour éteindre les bougies. Oh! Oh non. Oh shit. On doit éteindre les bougies. Oh shit. Oh my god. Oh shit. Excuse me. Oh my god. Je paierai.
Okay, one more left. Oh fuck. Oh fuck, faut pas être glacé hein, parce que c'est la merde. On va prendre un Bowser à côté, au pire. Ça va. Ok. C'est bon, il est éteint. Oh! Il reste une partie. Mais. What? Base framboise. Oh my god. Oh my god. Allez. Oh mais. Putain, mais comment tu veux esquiver ça? Ah tu sais quoi? Tu m'as gonflé. Shit. Mario, s'il te plaît, soigne Mario. Sort des points de vie. Soigne Mario, on sait jamais. Oh Jesus, thank you. Oh my god. Really? Fuck, je paierai. Mais il meurt jamais ce gâteau. Vous feriez mieux d'attendre un peu. C'est le gâteau du mariage de Booster. Il sera furax si vous le mangez sans lui. Numéro 1, où est mon gâteau? Mais monsieur Booster, l'objet que vous piétinez, il a 70% de chance qu'il s'agisse de votre gâteau. Ce truc là, c'est un gâteau? Ok, vous autres, je vous écoute. Quelle est la meilleure façon de déguster cette chose? Je propose qu'on en fasse un bouilli. N'est-ce pas une excellente idée, numéro 2? C'est une idée, oui, mais je crois que vous ferez mieux d'avaler tout rond, gloups. D'avaler en une bouchée? Non, d'un barbe. L'homme d'une barbe. C'est plus difficile que je pensais de se marier. Vous allez y arriver, monsieur Booster. Reculez un peu et ouvrez grand la bouche. Je me sens un peu tendu. Mais plus qu'un peu. J'ai l'impression de sauter à l'élastique, mais sans élastique. 3, 2, 1... Ah, attendez! Le gâteau, il a bougé, non? Restez concentré, monsieur Booster. Tout ça ne me plaît pas des masses. Un vrai délice! Attendez, je ressens quelque chose. Oh oui, oui, c'est tellement bon que j'ai les larmes aux yeux. Félicitations, monsieur Booster. Le mariage est officiellement terminé. Merci à tous. Voilà une bonne chose de faite, rentrons chez nous. Mais non, t'as pas embrassé la mariée. Donc ton mariage n'est pas fait. T'as pas embrassé la mariée. Faut embrasser la mariée, normalement. Non, non, dans un monde normal, faut embrasser la mariée. Tu as été... Non, il faut embrasser la mariée. Il s'est pas marié, c'est Mario qui s'est limite marié. Bon, il a pas embrassé sur la bouche, mais bon. Tu as été merveilleux, Mario. Tu es mon sauveur. Nous allons enfin pouvoir entrer au château. Quelle journée dire que j'ai failli me retrouver marié à cette chose. Brrr. Si je me marie vraiment un jour, je me demande bien avec qui ça sera. Avec moi. Peach, la princesse du royaume champignon, a rejoint votre équipe. Oui. Assurez-vous de la ramener au château saine et sauve. Et c'est quoi la récompense avec les bougies que j'ai dû reset le jeu? Mais j'ai rien gagné. Avant que les bougies ne s'allument. Ils sont pas tous allumés les bougies. Il fallait pas qu'un seul s'allume, mais c'est pas possible. Parce que le temps de trouver les, enfin, de parler aux autres. Bon tant pis. Tant pis, tant pis. Bon bah écoutez, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera pour l'épisode prochain dans lequel on ira tout simplement s'attaquer. On ira ramener Peach sain et sauf. Certainement on va devoir réaffronter Booster. C'est sûr. Et du coup, merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode. Voilà, on est déjà... Voilà. Par contre, Peach est niveau 9. J'aurais bien aimé qu'elle soit niveau 10. Est-ce qu'à votre avis, on peut l'équiper? Oui. Genre, gants, taloche, robe ravissante et accessoires. On peut lui mettre genre le badge d'antidote, pourquoi pas. Ça, il fera un poil plus de défense et tout. Et du coup, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.